Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit bout que je vous ai jasé, je trouve que... C'est ça, je me sentais que... Je sentais que ça fait... Ça fait pas long, je vais t'en donner. Léo, il s'amuse avec ses gommettes de camion, puis il les colle sur les portes d'armoire. C'est pas grave. Il s'amuse. Tiens. Son plaisir du matin. Oui. Fait que, ouais, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est rendu mercredi, c'est le nombril de la semaine. Lundi, c'était férié, fait que là, je suis toute mêlée dans mes journées. On va la manger tantôt, la salade de fruits. On va aller faire l'épicerie. Donc, ouais, je viens de me préparer, j'ai préparé Léo aussi. Fait que là, il s'amuse un peu le temps que je fasse mon petit intro de vlog, parce que dans le fond, on s'en va faire l'épicerie. On était supposé la faire hier, mais Francis, il a comme pas pu y aller, puis on a fini les deux de travailler très tard, puis on a plus rien dans le frigidaire, parce que là, il est de retour de la chasse, et comme je vous avais dit, j'ai passé quand même pas mal de jours au chalet avec lui. Fait que là, on a vraiment plus rien, là, faut aller se renouveler. Pas mal de choses. Fait qu'hier, on s'est fait une belle liste d'épiceries. Quand même. Il y en a deux! Elle est pas mal pleine, je vous dirais, fait que... On va aller faire ça. Il y en a trois. Fait que c'est ça. Puis là, dans le fond, ce matin, vu que là, on est mercredi, fait que là, le Canadien recommence, bien sûr. Ceux qui me suivent depuis l'année passée savent très bien que Francis et le Canadien, c'est l'amour infini. Ça, c'est une canne. Si tu l'échappes sur ton pied, ça va te faire mal. Ouais, fais attention en la déposant par terre. Ouais, comme ça. Puis, là, Léo se couche déjà plus tard que l'année passée. Fait que là, il va pouvoir l'écouter avec nous. Fait qu'on s'est dit qu'on allait se faire un chili. Je pense qu'on en a jamais fait. Fait que là, Francis, il a fait ça hier soir, là, dans la mijoteuse. Elle est partie tout à l'heure. Ça a l'air vraiment bon. On a mis, je pense, on s'est dit qu'il a mis du bœuf puis de l'ours dedans. Fait que, on a su une petite recette que j'ai trouvée sur Internet. Il est gros, lui, hein? Tiens, dans le vider mon armoire à canne. C'est plaisant. Moi, j'achète des jouets, puis il aime mieux jouer avec les cannes. Hein? Posons pas trop, on va pas trop se poser de questions. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, on s'est fait un chili pour qu'on puisse manger ce soir assez rapidement, pour qu'on puisse s'installer pour le hockey. Puis là, généralement, Léo se couche plus vers 8h maintenant. Parce que, avant, il se couchait vers 7h, 7h30. Sauf que quand je le couche vers 6h-là... il va se coucher, il y aura vraiment pas de problème, je vais le mettre dans son lit, il va s'endormir, mais à 5h il est debout, puis honnêtement, je ne suis pas prête à me lever à 5h. Fait qu'en vrai, je le fais mon plaisir personnel, je le couche plus tard pour qu'il se lève un peu plus tard le matin. Mais comme je vous dis, ça arrive pas tout le temps que ça fait ça, parce que hier, on l'a couché à 7h45, je crois, 7h50. Puis tu sais, à 6h, il était debout, là, dans la chambre, puis il a pas voulu s'endormir. Fait que tu sais, ça dépend tout le temps, mais c'est ça, tu sais, si je peux le coucher plus tard pour qu'il se lève plus tard, moi ça fait mon plaisir. Puis tu sais, sinon, si je vois qu'il est brûlé, je le t'offrais pas. Tu sais, l'autre fois à 7h, il était brûlé puis il est tombé endormi. Mais tu sais, c'est ça, à 5h15, le lendemain, il est élevé. C'est lourd! Prends tes deux mains, mon bébé. Fait que c'est ça. Fait que là, on va écouter le Canadien ce soir, on va manger notre chili. C'était 8h de cuisson, là, je l'ai parti tantôt à 8h. Là, il reste 6h30 à cuire. Fait que là, nous, on va aller faire notre épicerie pendant ce temps-là. Profitons ensemble. Puis, c'est vraiment drôle, là, mais genre, il y en a plusieurs d'entre vous qui font comme... Oh, moi, je vais tellement tout le temps porter mon enfant à la garderie quand je vais faire l'épicerie. C'est mon moment. Puis moi, sérieux, j'adore amener Léo à l'épicerie. Il est tellement drôle. Genre, je sais pas, c'est parce que... Oui, il m'a déjà fait des crises. Hein, ça fait déjà deux qu'il me fait. Mais en tant que tel, ça va bien. On dirait que j'aime ça, l'amener avec moi. Je veux pas, genre, le laisser à la garderie. Comme, je l'amène dans le panier, pis là, genre, quand on prend les trucs, je fais comme, c'est quoi ça, pis genre, mettons, banane, ou tout ce que je mets dans le panier, comme, yam yam, tu sais, il est vraiment drôle. Fait que c'est ça, tu sais, pis je sais qu'il y a des fois qu'il pète des crises, mais tu sais, c'est un enfant. Elle est grosse, celle-là aussi, hein? Fait que là, je pense que je vais aller arrêter ce vidage d'armoire, et je vais me déplacer tranquillement à l'épicerie. Puis je vais mettre une tuque aussi parce que mes cheveux sont... Ils sont pas sales, mais sérieux, mes cheveux viennent gras tellement vite, là. Je les ai lavés avant hier. Hier, je les ai plaqués. Puis là, ils sont tout couettés. Moi, je dors avec une couette parce que j'ai les cheveux trop longs. Sinon, Francis, il dort dessus puis ça tire mes cheveux puis ça me fâche.
Mais oublie ça, là, c'est... Il faudrait que je mettrais du shampoing sec, puis là, ça me tente pas. Mais comme j'ai dit, la saison prête arrive, là, je peux mettre des trucs, puis c'est comme si rien n'était. Fait que là, oh my god. Fait que là, c'est ça, je vais ramasser ce que Monsieur les Carreaux fait. Genre... Bon, ramasses-tu? Non. De quoi, non? Non, non, on va aller à l'épicerie. Oh non, on t'a vidé les saponouilles. Fait que bon, je vais arrêter de vous jaser, puis je vais ramasser ça avec Léo, puis je vous en reparle plus tard. What the hell, petit caron, vous êtes pas mal sexy. Wow! Il est 11h50, puis là, je me trouvais vraiment comme une cool mom. Fait que j'ai arrêté d'acheter du McDo pour qu'on puisse donner du McDo en revenant. Fait que là, Léo est en train de manger ses croquettes puis ses frites. Pis j'y ai comme pris un petit jus de pomme, mais alors, je le dilue dans l'eau. Fait que... Bref, c'est ça. Puis moi, je me suis pris un petit junior au poulet. Je l'ai déjà mangé, bien sûr, parce que j'avais tellement faim. Puis je me disais, là, si je veux vous montrer mon épicerie, il faut que je mange un peu avant. Puis pas manger en même temps et vous parler. Ça a été quand même une bonne épicerie. Ça a coûté pas très cher, mais ça a coûté de l'argent. J'ai acheté des bananes pour Léo, des cocombes. Pendant qu'on était à l'épicerie, Léo m'a demandé d'acheter un ananas. Fait que j'ai acheté un ananas. Genre, on était où les fruits. Puis là, j'ai dit, est-ce que tu veux? Là, je disais, mettons, est-ce que tu veux des pommes? Tu fais-tu des poires? Puis à un moment, il fait ananas. Fait que j'ai dit, tu veux un ananas? Il m'a dit oui. Fait que là, on est passé en avant voir si elle allait les reconnaître. Puis il m'a dit, genre, ananas. Fait que j'ai acheté un ananas. J'ai acheté des poires. J'ai essayé de prendre les plus mûres parce que. Il y en a qui étaient pas très belles ni très. Ils étaient comme pas mûres. Puis les derniers que j'ai acheté pas mûres, ils ont resté dégueulasses. Ensuite, j'ai acheté des piments de couleur parce que cette semaine, on voudrait se faire des piments farcis. Ça fait longtemps, fait que j'ai acheté des piments sur de différentes couleurs parce que c'est bon. Pas juste les mêmes couleurs. La dernière fois, j'avais acheté, je pense, un sac de verre. C'était très bon, mais je trouve que les piments, ils goûtent pas tout la même chose. J'ai acheté des pommes, mes préfs, des genres de pommes rouges de même. C'est vraiment mes préférés. J'en ai acheté 4. J'ai acheté un brocoli parce que ça hier on m'a tout pris ce qu'on avait. J'ai fait une bonne pizza aux légumes hier, c'était vraiment bon. Puis ça nous a permis de passer les légumes qu'on avait mais qui étaient dans le frigidaire depuis comme un bon bout. J'ai racheté des tomates et une petite citrouille comme ça. Il est en rabais à 98 cents pour mettre dehors avec mes autres. J'ai pris des petits crispy mini comme ça. Sel et vinaigre, puis des petits croissants parce que ma belle-mère en fin de semaine elle a fait genre des petits croissants fourrés aux œufs puis au poulet. Puis je me suis dit que c'était des bonnes idées pour des dîners pour Francis et moi quand on travaille. Fait que j'ai acheté ça. Des bagels. Une petite sucre à Léo. Genre 10$ environ. Fait que ça fait bien. Et deux pains. Ah, oh, un bloc de fromage que j'avais caché. Un bloc de fromage, puis deux pains. Comme ça. Ensuite, des petites. Voyons, bortandes. Chocolat noir, comme ça. Je me suis racheté du yogourt activé à la vanille. Bon, bref, j'ai vraiment. Sérieux, j'aime aucun yogourt à part à la vanille. Tu sais, j'aime ça, mettre aux fraises, puis tout, mais c'est moins. J'aime pas ça. J'ai racheté ça à Léo. Puis j'ai racheté ça aussi. Parce que j'en avais plus, puis il m'en manque tout le temps. Est-ce que tu fais caca? Non. Tu peux pas me dire non, je te vois forcer, cher. Des Q-tips, on n'en avait plus. Je me suis acheté un genre de... C'est une eau micellaire nettoyant. C'est un, ben, j'ai une enfant, je me cherchais un démaquillant, mais j'en avais plus. Fait que ça, j'ai vu que c'est un tout en un. Fait que ça enlève le maquillage, ça purifie, matifie sans rinçage. C'est hypoallergénique. Et j'ai pris peau grasse à sensible parce que j'ai extrêmement la peau grasse. Fait que j'ai pris celui-là.
de Garnier, parce que de toute façon, ma crème pour le visage, c'est de Garnier. Je m'ennuie vraiment de ma crème Karine Jonca que Francis m'a acheté à Noël, mais elle va un petit peu cher, fait que je vais finir la crème que j'ai là, puis sinon, ben, je leur demanderai à Noël. Puis j'ai racheté des cocos. J'ai racheté des viandes froides à Francis pour ses lunchs, il m'en avait demandé. J'ai pris du jambon et de la dinde. Du croton. J'ai racheté des céleris aussi, puis des pilons de poulet qui étaient en rabais. Dans le fond, il a mangé son McDo, puis ça y a tout de suite descendu dans l'estomac, puis il est déjà en train de faire caca. Ensuite, j'ai pris des toasts Melba, genre des petits biscuits là, ça avec du fromage. Je trouve ça vraiment, vraiment bon comme collation. J'ai racheté des petits jeux Baléo, mais là, c'était de la pâte patrouille. On vient de terminer les Scooby-Doo que j'ai acheté Fleur un bout. J'y en donne pas souvent, mais ils aiment ça. Fait que j'ai acheté ceux-là, puis j'y ai comme acheté des petites bortantes comme ça. Ça faisait un petit bout que j'en avais acheté, mais ça, il aime vraiment ça. Fait que ça fait différent des collations que je lui donne habituellement. Fait que c'est tout pour mon épicerie. Là, je vais vous laisser là-dessus pour ramasser. Puis aussi pour nettoyer Léo, puis aller changer sa couche. Puis au pire, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. J'ai sorti le petit verre d'Halloween à Léo. Est-ce que tu montes ton verre? Non. Non, ok. C'est ça ici qu'il faut que tu prennes dans ta bouche. Dolorama. Il est tout content. Il est rendu 3h10. Je viens d'installer Léo pour faire du dessin. Mais lui, ce qu'il aime, c'est faire genre une pyramide avec ses... avec ses crayons. Tout! J'ai aussi donné des petites gommettes. Puis là, je me suis dit, après-midi, j'ai pas tant filmé après dîner. Finalement, je me suis endormie sur du fer. Puis, tu sais, j'ai... fait une brosse de lavage, je l'ai tendu dehors, j'ai ramassé linge à Léo. Mais je voulais vous montrer le costume d'Halloween que j'ai acheté à Léo. L'année passée, je l'avais déguisé en... mon Dieu, en avocat. On s'est trouvé. Il était vraiment cute, en avocat. Genre, c'était son premier costume que j'avais acheté, mais tu sais, il était bébé, c'est juste pour dire qu'il avait un costume d'Halloween. Mais là, cette année, je savais pas en quoi le déguiser. Je trouve ça difficile. Je veux pas le déguiser comme... Mais c'est moi, je veux pas déguiser en super-héros parce qu'il les connaît pas encore assez. J'ai envie qu'ils me disent, maman, je vais me déguiser, mettons, en Superman. Mais vous le savez, depuis longtemps, les autres trips, ces autos, je suis allée chez Walmart et j'ai trouvé un gros camion. C'est genre de même, là. Fait que là, genre, il va pouvoir mettre ça sur ses épaules puis être debout pour faire comme je suis un auto. Ça a vraiment l'air d'être un costume plate pour plusieurs, mais genre Léo, là, c'est lui qui l'a demandé. On se promenait dans les costumes, puis il y en avait plein, là. Pas mal, il s'est mis à crier, genre, « Camion, quatre roues, camion, quatre roues! » Puis j'étais genre, « C'est quoi qu'il y a? » Puis il y en avait un vert, puis un rouge. Puis là, j'étais genre, « Tu veux ça? » Puis il était comme, « Oui! » J'ai mis dans le panier, puis il jouait avec. J'étais genre, « Ben, ça va être ça, ton costume d'Halloween, mon bébé? C'est toi, si tu l'as décidé? » Fait que c'est ça, fait que là il peut comme rentrer dedans, puis là il va genre être un gros camion. Je capote, c'est vraiment... c'est ça. Fait que lui il a l'air bien heureux aussi, parce que c'est quand même lui qui l'a choisi. Fait que ça va être ça son costume d'Halloween. Je me dis, ben tu sais, si on se promène dehors, ben... Tu sais, des fois là, genre, je me souviens moi quand que j'avais un costume d'Halloween, mettons, puis qu'il fallait que je mette mon manteau par-dessus, c'était tout en plat. Ou sinon mon costume était trop petit pour aller par-dessus mon, mettons, mon kit d'automne ou d'hiver parce qu'il faisait froid. Tandis que ça, ben, c'est pas grave, là. Fait que c'est ça pour son petit costume. Fait que là, je voulais vous montrer le chili. Là, je sais pas ce qu'on a fait de mon Francis, mais c'est plus liquide qu'on pensait. D'habitude, mais ça, parce que je vous l'ai dit, c'est la première fois qu'on en fait un, là. Mais c'est comme, c'est pas autant épais que je pensais. Fait que là, ben, je sais pas ce qu'on a fait de pas correct. Ou c'est parce qu'il manque, je sais pas. Je suis embêtée. On va quand même en manger, mais moi, dans ma tête, c'était plus épais, moins liquide. Pourtant, je suis la recette qu'on a trouvée sur Google, mais bon, on verra bien tantôt. Jean-François, on mettra bien du fromage, puis ça sera ça.
Fait que là, ben, c'est ça, j'ai fait une petite sieste, je disais tantôt. Puis là, ben, Léo s'amuse à faire des pyramides. Oh, on a connu, ben! Mais j'en mets ses crayons debout. Ah non, il est tombé! À place de dessiner avec. Mais c'est pas grave. Oh, papy encore! Il est où, papy encore? Papy encore! Il est parti en quatre roues? Papa! Papa, il est où? En quatre roues aussi? Non, ils travaillent. Ils sont pas partis en quatre roues. C'était vraiment drôle parce que toute la fin de semaine, c'était ça parce que son grand-père puis Francis partaient à la chasse le matin et le soir, je vous l'ai dit. Ils revenaient le soir. Fait que c'était tout le temps. Ben, il est où papy encore? Il est où maman? Il est où papa encore? Puis il était comme, passe en quatre roues, tu sais, parce que lui, il sait qu'ils sont en quatre roues. C'était quand même triste. Fait que c'est ça. Hein? Il faut pas que tu les casses. Si tu les casses, ça va mal aller. Fait que je vais aller faire des petits dessins avec Léo. Je vais essuyer ma vaisselle que j'ai pas essuyée parce que j'étais juste lâche. Puis je vous en reparle sûrement pour le souper. Pour le petit chili. Oh, le minou est revenu. Dégueulasse, ça va hier, elle nous ramène souris. C'est dégueu. Pour vrai, ça avait jamais arrivé encore qu'elle nous rapporte des trucs. Puis là, genre, elle arrive en avant de la porte, puis une souris à terre, c'était dégueulasse. Ça a l'air que c'est vraiment un signe d'affection des animaux, mais moi, ça m'écœure. Puis après ça, genre, hier, j'ouvre la porte, je suis comme, voyons, c'est qu'elle a dans la bouche, elle avait une sauterelle. J'étais genre, voyons, Minou, t'es-tu rendue, genre, une chasseuse, puis je suis pas au courant, tu sais? Bref, voilà. C'est les nouvelles histoires dans nos vies, sinon on n'a rien de nouveau. Bon! Fait que là, je pense que je vais me faire un café ou un grand verre d'eau froide parce qu'il fait quand même chaud dehors, là, genre... On dirait qu'on est encore l'été, là. Il fait comme 15, là. Je vous avouerai que pendant mon épicerie avec ma tuque, là, j'étais genre, pourquoi j'ai mis une tuque? Encore quoi? Des crayons? Fait que c'est ça, je vais vous laisser, j'allais faire des dessins avec Léo, puis je vous en ferai plus tard. Salut, salut! On se reparle. On est rendu vendredi. Fait qu'hier, je vous ai pas parlé parce que ben, j'avais juste rien à dire. C'était vraiment pas une bonne journée niveau moral pour moi. J'étais assez déprimée, disons. Mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, je m'en vais au travail. Il est 9h20. Je me suis habillée pareil comme hier, sauf pas le même vêtement. Fait que j'ai les mêmes pantalons puis le même chandail. C'est juste pas de la même couleur. Fait que j'ai un chandail blanc et un chandail beige. Puis j'ai mes culottes comme ça, pas grises, vertes et blanches. Puis hier, j'avais mes noirs. Sérieusement, je les adore tellement, je les mets tout le temps. Puis là, vu que j'étais cernée ce matin, je me suis mis un petit peu de rouge à lèvres pour oublier que j'avais des cernes. Puis je viens de me rendre compte qu'il faut que j'aille me gazer. Ça m'énerve, j'aille ça. Fait que, c'est ça. Dans le fond, ce matin, j'ai pu prendre ma douche en me levant. Parce que, vu que je travaille aujourd'hui puis qu'on est vendredi, ben, moi j'ai pas de garderie le vendredi pour ceux qui l'avaient oublié ou qui s'en souvenaient plus. Fait que, ce matin, dans le fond, je me suis levée comme à 7h, tranquillement. Je suis allée prendre ma douche, j'ai fait mes cheveux, j'ai comme profité du silence dans la maison pour juste comme écouter mes émissions, écouter quelques vlogs puis me préparer. Ça m'a vraiment fait du bien. Je pense que j'en avais vraiment besoin. Fait que c'est ça. Et je suis quand même heureuse parce que de temps en temps, je le fais pas souvent. Mais quand ça arrive, je suis bien contente. Fait que c'est ça, vu qu'elle a travaillé pas aujourd'hui, elle passe au chalet avec. Moi, je ne vais pas au chalet en fin de semaine parce que je travaille. Fait que c'est probablement Francis qui va aller chercher samedi. Il pense pas monter parce qu'il annonce la pluie aussi. Fait qu'il a dit qu'il allait probablement faire un peu de ménage. Fait que pour ça, moi, je dis pas non non plus. J'allais me gazer. Puis là, je suis vraiment excitée parce que ce soir,
on va aller chercher le lit de grand à Léo. Genre, je suis vraiment contente. Je voulais vous montrer dans la maison, là, mais je vous ai déjà montré un peu comment c'était fait. Mais en fait, je voulais comme filmer un peu ce matin. Mais j'ai décidé de juste profiter du silence. Mais dans le fond, c'est ça. Moi, c'est une maison mobile et j'ai juste deux chambres. C'est une vieille maison, fait que c'est une maison... ouais, pas une maison mobile, mais... Dans le fond, j'ai une chambre en avant puis une chambre en arrière. Sauf que la chambre en arrière, elle a un mur qui la sépare. Donc, c'est deux petites chambres. Donc, 7 par 8. Fait que, bref. En tout cas, là, j'allais me gazer puis je vous en reparle après. Donc, ce que je disais... C'est que, ouais, dans le fond, c'est des petites chambres. Puis, dans le fond, un lit simple, mettons un lit 39 pouces ou un lit de grand normal, ne rentre pas. Ça rentrerait, mais je pourrais même pas mettre de commode. C'est vraiment tout petit. Tu sais, dans le fond, vous l'avez vu, là, la bassinette puis la commode à Léo, ça rentre juste. Dans le sens qu'il n'y a pas rien d'autre qui rentre. Fait que là, tu sais, c'est ça. Puis là, tu sais, la bassinette, ça m'a amené. Là, en fait, c'est un lit transition, mais c'est ça, je sais pas. Il a vieilli, puis genre, on voulait faire différent. Fait que là, ben, on a checké sur Marketplace, parce que, ben, ils vendent tellement de lits. En plus, j'ai l'air français, un lit d'auto, ça serait tellement hot, parce que, genre, Léo, il tripe, là, sur les voitures. Mais, tu sais, mettons des lits vraiment comme Flash McQueen, où c'est massif, c'est quand même gros. Puis on voulait pas un lit simple. Puis là, on checkait sur Marketplace, puis tout. Puis c'était comme un lit de transition, vraiment pas une bassinette, vraiment un lit de transition qui est, dans le fond, tu mets un matelas de bassinette dans le lit. Fait que la même grandeur, ça faisait bien. Puis là, ma mère, elle me dit, genre, que pour Noël, le baptême, puis pour sa fête, elle avait comme pas tant d'idées pour Léo. Puis elle savait que je voulais faire une chambre de grand à Léo. Fait qu'elle avait dit, au pire, si tu vois des choses, tu me le diras, puis ça sera mon cadeau. Fait que là, quand j'ai dit, ben tu sais, on aimerait ça faire un lit, elle a dit, ben tu sais, si vous trouvez un lit, vous me le direz, puis je vous le paierai. Puis là, on checkait sur Marketplace, mon pauvre Francis, puis on a vu un lit de pompier. Un lit de transition de pompier. Genre, sur Marketplace, j'étais comme, c'est ça, tu me niaises. Genre, ça fit, là, c'est exactement ce qu'on voulait. Francis est allé sur, il a pris le nom du lit, là. Puis il a comme été voir sur le vrai site internet où est-ce que le lit est vendu. Ça vaut genre 350$, ça vaut fucking cher. Puis, il est allé mesurer pour voir si ça pouvait rentrer. C'est parfait, je pense qu'il disait que ça avait juste 10 cm de plus que le lit qu'il y a en ce moment. Fait que là, genre, la madame a comme écrit sur Marketplace, faites votre prix. Fait que là, puis il était neuf, là, il est encore dans sa boîte. Fait que j'ai dit à Francis, comme, tu sais, comment tu penses qu'elle peut le vendre? Parce que, genre, tu sais, ça vaut quand même très cher, mais tu sais, je voulais pas non plus payer 200$ pour un lit que je sais que, mais qu'on déménage, il va avoir un plus grand lit. Fait que là, bref, elle vendait moitié prix, elle vendait genre 150. Fait que moi, j'ai envoyé un message à ma mère, puis j'ai dit, mère, genre, bref, il y a ce lit-là à tel prix, comme, ça nous intéresse. Fait que là, elle a dit, parfait, je te transfère l'argent, puis... Fait que là, je suis vraiment contente. Fait que là, ben, Jean-Francis m'a dit qu'elle allait sûrement aller chercher ce soir. Fait que là, je sais pas si on va le monter, puis que Léo va dormir dedans, genre, mais qu'il revient du chalet, où on attend. Mais genre, je suis comme, oh, ça va tellement être cute. Parce que j'ai déjà une idée de qu'est-ce que je veux faire dans sa chambre, mais c'est juste que, tu sais, j'ai pas tant de place, fait que je vais comme maximiser l'espace que j'ai. Mais c'est ça. Fait que là, j'étais tellement énervée, là. Genre, j'ai vraiment... On était supposé aller chercher hier, mais finalement, hier, la madame, elle pouvait pas. Fait que c'est ça. Fait que là, hier, on a mangé des gaufres pour supplier la place, puis on a fait... on a genre chillé sur le divan. On voulait écouter, on voulait faire le ménage et jouer à Léo, mais j'étais juste trop bien, genre, sur mon divan. Fait qu'on a mangé des gaufres, Léo est parti. Puis Jean-François écoute un peu le hockey. Puis là, on a comme écouté. Parce que là, là, il y a genre une vague de genre tout le monde tripe sur le jeu du calmar. Puis moi, je l'avais pas écouté parce que, comme je vous ai déjà dit, on écoute 10 000 émissions en même temps. Puis là, genre, pendant que je faisais le montage du vlog que je fais là, parce que j'en ai fait un peu hier, puis que lui, il écoutait le hockey, puis que là, ça allait pas bien dans le hockey, il m'a dit, ben, je pense que je vais la mettre la première émission, tu sais, comme, pour voir c'est quoi. Puis, tu sais, mettons, c'est correct. Tu sais, c'est bon, mais c'est comme. Tu sais, j'ai écouté juste la première épisode, là, genre, avec 1, 2, 3 soleils, avec la pouperie, là. Puis que là, tout le monde se fait tuer presque, là. Tu sais, j'ai pas de temps fait comme, oh my god, genre, peut-être qu'au fil du temps, je vais comme pogner, mais on dirait que. Enfin, on l'a écouté juste parce que, genre, Arazo, il en parle, partout en parle. Sur TikTok, ils font plein de genre de vidéos là-dessus. Puis là, tu sais, quand toi, tu l'as pas écouté, t'es genre, si je comprends rien. Fait qu'on l'a comme écouté, mais tu sais. Disons que je tripe plus sur Blind Spot en ce moment. Genre, mettons qu'à soir, Francis me dit, on écoute une autre émission, on écoute Blind Spot. Je ferais genre, si on Blind Spot à soir. Parce que Francis, c'est ça qu'il dit, quand il va écouter une émission, il dit, est-ce qu'on Blind Spot ou est-ce qu'on va Blind Spotter, genre. Parce que c'est vraiment bon.
C'est ça qu'on a fait hier, puis je l'ai trouvé quand même correct. Là. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont écouté si au complet, genre, puis est-ce que, genre, finalement, au fil des épisodes, je vais comme plus embarquer. Est-ce qu'il y a des énigmes à comprendre? Moi, c'est des affaires de même, j'aime ça. C'est comme la Casa del Papel, les premières émissions, là, j'ai vraiment pas embarqué parce que je comprenais rien. J'étais genre, c'est bien bizarre, puis après ça, j'ai commencé à embarquer parce que là, finalement, tu vois comment ils font, puis tout. Faut que ça m'accroche, sinon, moi, quand ça le monte, ils font juste se tuer. Ben, moi, pour vrai, genre, voir du monde se faire tuer, je tripe pas tant, mettons. C'est pas quelque chose que je suis genre, wow, j'aime vraiment écouter. Fait que, c'est ça. Fait que là, il me semble que j'avais d'autres choses à vous dire aussi un matin. Ça devait pas être intéressant, sûrement. Mais pour vrai, ça me fait vraiment du bien d'avoir un peu dormi ce matin par rapport à ma douche. Genre, je le sens dans mon moral. Parce qu'hier, ça allait pas bien. Hier matin, je pleurais parce que je savais pas quoi mettre. Je pleurais parce que mes cheveux étaient sales. Il aurait fallu que je les lave. Non, ça allait pas bien. Ça allait pas bien. C'était gris nuageux. Il y avait de la brume partout. Je pense que dans ma tête et dans mon cœur, il y avait aussi de la brume. Puis moi, j'avais juste une dernière question. Parce qu'après ça, je vais conclure le vlog. Parce que je me souviens vraiment un peu qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre. Mais dans le fond, là, j'étais en train de réfléchir tranquillement à faire le vlogmas. Ça, là, je vais sûrement réussir à le dire à un moment donné. Parce que ça m'intéresse de le faire, parce que c'est ma fête préférée. Léo, c'est son année où est-ce que là, il est vraiment plus vieux que l'année passée. Et je vais pouvoir faire des activités avec lui. J'ai des traditions que j'aimerais ça, genre, partager avec vous. Il y a comme plein de petites choses que j'aimerais. Je sais que c'est une vidéo par jour, fait que je sais, tu sais, on dirait qu'en même temps, je veux pas me mettre de pression là-dessus parce que je sais que je serais capable de le remplir, mais c'est plus les fois où est-ce que je vais travailler, de, mettons, quand je travaille, genre, là, toute la journée, est-ce que j'aurai le temps de filmer. Tu sais, je vais sûrement me trouver une façon de faire parce que je vais sûrement, comme, filmer 2-3 jours d'avance pour me laisser le temps de faire mon montage pis tout. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Je sais qu'il y en a tellement qui le font. Puis tu sais, je sais que c'est pas des vidéos super longues, sauf que tu sais, quand on en a, mettons, 10 à écouter par jour, faut que t'aies le temps de les écouter. Tu sais, moi, dans le fond, les seules personnes que j'écoutais dans le vlogmas, mettons, l'année passée, avant que je me lance sur ma chaîne puis que je connaisse d'autres chaînes YouTube, mettons, j'écoutais juste Alexandra Larouche. C'était la seule que j'écoutais, c'était la seule personne que je voyais qui venait me chercher, qui m'intéressait à écouter. Fait j'en avais pas plein à écouter, tandis que là, j'ai comme connu une nouvelle personne, que des vidéos m'intéressent pis tout. Puis c'est ça, je veux savoir si ça vous intéresserait que je le fasse. Ça me semble que. Parce que genre, je veux le faire, puis je le fais, oui, pour moi en premier, mais en même temps, si genre, il n'y a pas un chat qui l'écoute, ou finalement, j'ai genre 3 visionnements, on va se le dire que genre, c'est un peu plat, tu sais. Je me dis, tant qu'à ça, on va juste faire des vlogs quotidiens de mes activités de Noël, comme je fais déjà tout le temps. Mais en même temps, le vlog, moi, je trouve ça le fun. Je trouve, genre, j'ai déjà commencé à checker pour mes tunes, genre, un petit peu de Noël. J'arrête de penser pour faire mon intro avec des trucs de Noël. Je suis quétaine dans la vie, puis je trouve que Noël, c'est un petit peu cette fête, ce genre de fête-là. T'es pas obligé de la faire quétaine, mais je commence déjà à checker les décorations de Noël. Pour moi, j'ai vraiment hâte que l'Halloween soit passé parce que je vais pouvoir parler de Noël en paix sans me faire juger. Hein? Parce que moi, mi-novembre, je décore. Hein? C'est bientôt. Fait que c'est ça, je voulais savoir si ça vous intéresserait. Y avait-il des choses particulières que vous aimez voir là-dedans? Parce que moi, c'est vraiment nouveau. T'sais, je vais en réécouter bientôt pour me remettre dedans un peu pour voir un peu comment c'est fait. Mais c'est ça, j'ai des trucs que je voulais vous demander à vous, dans le fond, puis de laisser en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous tente de voir ça? Qu'est-ce que vous aimez voir dans les Vlogmas? Qu'est-ce que. C'est ça, là, genre, dites-moi ce que vous en pensez. Là. On dirait que je lance ça dans les airs, puis j'attends vos réponses. Parce que j'ai déjà commencé à me faire là un mini calendrier avec des trucs que je voudrais faire. Puis tu sais, en tant que tel, c'est vraiment des activités que je veux déjà faire avec Léo. Fait que je filme ou que je filme pas, je vais aller faire pareil ces activités-là avec Léo. C'est pas. C'est juste que genre j'aime ça partager, j'aime ça. Je sais pas, j'aime ça filmer, tout simplement. Donc c'est ça. Fait que là-dessus, ben je vais conclure mon vlog ici. J'espère que vous avez apprécié mon petit vlog de semaine. Ça faisait un petit coup. On dirait que c'est ainsi je fais moins de vlogs, mais en même temps, j'ai comme. Je sais pas. C'est gris, je l'ai déjà dit. À un moment donné, je vais sûrement pogner le dessus, genre, de mon humeur, puis être plus Audrey la pétillante qu'on voit souvent dans mes vlogs. Parce que des fois, quand je fais le montage, je suis comme, mon Dieu, que j'ai la maussade. Genre, c'est donc bien plate à regarder, mais en même temps, c'est moi, comme. Je peux pas cacher mon humeur, je peux pas cacher ma personnalité. T'sais, si je file de même, ben je le file de même. Fait
que c'est ça, fait que là-dessus, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous laisser un petit thumbs up, un petit commentaire. Dites-moi comment vous avez trouvé ma vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche. Si vous activez la petite cloche, bien, vous allez recevoir une notification quand je vais mettre un nouveau vlog en ligne. Puis de vous abonner parce que j'aime vraiment ça voir ma petite communauté grandir. Ça va faire, je pense. Je me souviens pas vraiment quand j'ai commencé mes vlogs, mais je sais que c'est l'hiver, fait que ça devrait faire bientôt un an. J'ai 200 quelques abonnés, mais comme c'est parfait parce que j'ai quand même commencé à zéro. C'est un peu comme Instagram où est-ce que j'ai commencé avec rien. En fait, j'ai commencé à la naissance de Léo, puis genre ça l'a juste comme tout le temps augmenté. Fait que je me dis que YouTube c'est un petit peu ça, puis c'est de me faire ma place tranquillement à travers d'autres chaînes, puis de me différencier un petit peu à travers les autres en étant moi-même. Fait que j'espère que vous appréciez ça aussi. Fait que c'est ça. Fait que je vais arrêter de faire du blabla. Ça fait déjà 10 minutes que je parle. Fait que je vous souhaite une excellente fin de semaine. Parce que là, on est vendredi. J'ai aucune idée quand je vais le mettre en ligne. Peut-être ce soir ou demain. Mais je vous dis merci encore. Puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!